On a repris l'antenne parce que on a trouvé l'Idriss et je voulais vous le faire découvrir. Allez, on commence par quel bout, les gars? Par le centre, par les côtés? Allez, par le côté. Par celui que tu veux. Allez, bah c'est quoi là? Aïe. Bah c'est quoi ça? Activité extravéhiculaire. Donc là, nous sommes à bord de l'Idriss, on vient de le trouver. Il était accosté. C'est pour se téléporter là, sur les planètes. Fais gaffe, il n'y a pas de casque. Missile, le champ des missiles. Elle veut pas qu'on rentre ou quoi? Visite, ouais, elle veut pas qu'on rentre. Ah, mais il y a une pancarte là. Bonjour madame, on peut rentrer s'il vous plaît? Arrêtez de me pousser, les gars. On déconnecte. Missile room. Eh hey, madame, je peux monter? Tout un missile de l'Idriss dispose d'un arsenal de munitions. Voilà, une sale gueule. Intimidant putain. Pour faire tuer la situation de combat. Là, c'est l'espace de vie. Je pense. C'est pourquoi on c'est les pas l'hôpital. Ah, c'est l'hôpital ça. Non. Parce qu'en fait, les pêcheurs, ils restaient longtemps en mer. Les pêcheurs. Et pour se soulager, bah, ils se soulageaient dans les morues. Comme elles ont la bouche grande ouverte, les morues. C'est la salle, c'est la salle des morts. Des morts ici, c'est la morgue. Pour les autopsies, ça. Ah, bon. Ah ouais. Medbay. Ah ouais. Donc là, on doit retomber sur le couloir central, je pense. Ouais, va à gauche là, Berthier. Regarde, va à gauche. Tu vas arriver sur moi. À gauche là, ouais. Et tu vas voir, je suis devant un écran. Et tu peux le regarder un peu. Et ça t'explique, à mon avis, la zone sur laquelle tu t'apprêtes à aller. Quoi. Ouais, c'est l'airlock. Ah, là, c'est une tourelle là. Ah, c'est les nacelles de sauvetage pour évacuer le vaisseau. Ouais. Ouais, juste à côté de la tourelle, au fond. On peut pas l'essayer, la tourelle? Je pense pas. Non. Bah, tu m'as dit qu'il y avait des flics et tout, on aurait pu... Moi, j'essaierais bien de le voler. C'est balou, il rentre. Allez, c'est la mission, on essaie de se barrer avec. Jésus, il reprend du poil de la bête. Là, on a fait le tour. On en vient de là, ouais. On peut reprendre cette même. Je suis derrière. La bouffe. C'est la gabelle. Ah, c'est les véhicules extravéhiculaires. C'est le gras. Les couchettes là. Ça, c'est pour sortir en EVA, ça. La pièce, et c'est un sas. Le vaisseau, il est gigantesque. Oh, ouais, les couchettes. T'as vu le nombre de lits qu'il y a? Ouais, t'as vu le. Alors, attends, boum, qui est là-bas. Ça, c'est quoi ça? Ça va dehors, ça. Ça va dehors. Avec Kaba, on essaie d'anticiper pour essayer de te faire une petite visite guidée, tu vois. Port de barrage. T'as l'espace vide, donc là tu rentres dans une salle de bain vestiaire. Enfin, c'est. Merde, je suis un vampire. J'ai pas de reflet. Non, moi j'ai une normalement c'est l'objet que tu es. Hein. Ah, mais c'est Jésus qui est là. Très sous. Normalement, c'est pas de normalement. Oui, c'est que Kaba, c'est Jésus qui est là, ouais. Alors. Oh, on peut avoir un peu d'intimité. Ouais, un peu d'intimité là. J'étais en train de me. Faut pas le dire. Donc, on est en direct là depuis l'Idriss qu'on a trouvé avec les abonnés LVDM. Et on est en train de faire la visite. Vous avez été voir l'armurerie? Mais pas encore. Armory, c'est l'armurerie, on est bien d'accord. Ouais. Et là, on descend d'un pont, là. Il y a un escalier pour descendre au pont 3. C'est quoi ça? T'as mis, il est énorme. Il est énorme, hein. Il y a des vitres. Ah, c'est le stand de tir. Ah, mais. T'as le stand de tir ici. Ah, mais il y a des vaisseaux dedans. Ouais. Jésus. Il... Je te connais. Eh, c'est ça, c'est le stand de tir. Eh, mais. Il y a un pont, il y a deux... Jésus, il y a un gros bug par contre. En haut.
Juste au-dessus, t'as un gros bug. Toi, le PNG, là, je veux lire. Un gros bug. Ouais. Formation aux armes à feu, ouais, c'est le stand de tir, c'est bien ça. Ouais. C'est ce... On le voit souvent dans les vidéos. Le mec, il est au pistolet, là, il est en train de tirer, c'est ici que c'est tourné, ça. Good stuff. Ça sera amusant de s'en servir du stand de tir. Ouais. Ça, c'est quoi ces trucs là? Escape pod aussi là. Là, il y a le mess, et la le briefing. Le mess, on y était tout à l'heure, oui. On peut pas décoller. Aïe, aïe. Je pense qu'on peut même en mettre... Là, c'est la salle de briefing pour les pilotes. Oh, la salle de ciné. Non, c'est la salle de briefing. T'as le commandant, le commandant du vaisseau qui réunit tous ses pilotes et ses commandants et qui fait son briefing. Messieurs, écoutez-moi, l'heure est grave. Qui? Ah, il y a encore un étage au-dessus avec le... Oh, bonjour, mademoiselle. Je suis en train de monter. Ça, c'est l'hôtesse de l'air. Bonjour, madame. C'est des gadus, comme il y a trop de gadus. Mais je suis où, là? Ah, mais il y a encore un vaisseau, là. Ah, je suis dans l'avant. Il y a un petit vaisseau pour se barrer. C'est celui que je vous disais qu'il était vendu avec. Attends. Ah, engine, moteur, room, salle de moteur. Bonjour, madame. À chaque fois qu'il y a une porte, tu croises une dame. Hop, je te dis oui, il faut aller vers Il y a l'ascenseur, là, c'est quoi ça? Ah, putain, la salle des machines, regarde ça. Oh. Regarde ça. Oh, les gars, j'étais habillé en costard. Le vaisseau qui est prêt à être évacué. Je suis tombé. Je suis tombé dans la trappe hors du vaisseau et je suis mort. Ah oui, ouais, c'est le générateur ça. Avec les mines. Tu vois pas des empreintes de mines de crayon et tout. Ah, c'est une centrale nucléaire ça. Alors ensuite. Ah, c'est classe ça, même le jeu. Ballon, t'es où? Derrière toi, à ta droite. Et là, c'est à ta gauche. Allez, bonne fin de visite et à demain. À demain, Gringo. Ciao. Ciao, non, c'est des Gringo. En haut d'escalier, on tourne, tourne à gauche. Enfin, là-bas, à ta gauche, t'as une tourelle. Dans le fond aussi, t'as une tourelle. Et le poste de pilotage, il est en haut des... Ouais, c'est l'escalier. Sur le bras, ouais. C'est le fameux bras, alors on lui tire dessus. Tu vois la boulangerie? À gauche. Et franchement, elle est bien faite. Hein. Il est gigantesque le vaisseau. Là, tu vois, là, j'arrive de la station, du coup, juste dans l'air pour les touristes avant qu'ils embarquent. Et quand tu vois la longueur du tunnel, tu sais, du bras rouge et le vaisseau derrière, c'est ouf. Ouais. Yeah, ok. Les proportions, elles sont folles dans le sol. Voilà le fameux poste de pilotage de l'Idris. On essaie de capturer, enfin, surtout Zélio, qui l'a capturé plusieurs fois. Plusieurs reprises. Par contre, il y a juste un bug avec le pilote. Ouais, parce qu'ils veulent pas qu'on s'assoit. Non, pas ça. Il met les bras en l'air comme s'il avait une console devant lui. Ah. Ah ouais, mais ça, c'est un bug. Il n'y a pas que dans les deux. Ce bug-là, il existe depuis un moment. Il écoute de la musique, il est ambiancé, c'est tout. Il est dans l'ambiance. Oh, mais la peur aide, hein. Nombre de postes de copilote. Et les mecs, là, c'est des vrais mecs, là, qui sont assis. Non. Ah, ils ont foutu des mecs pour pas qu'on se barre avec. C'est ça, ouais. Pour pas qu'on prenne les commandes. Quelqu'un a un pistolet, là. Ah, c'est à tenter, hein. Et on peut même pas s'asseoir. Mais n'empêche, t'as une bonne visibilité. Ouais, il y a une super visibilité, ouais. J'ai remarqué ça aussi. T'as vu le truc derrière la cartographie, là? Donc là, on ressort. Là-bas aussi, on ressort. J'aimerais bien voir ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a marqué, là? Bah, j'y suis, mais il n'y a que dalle ici. Hein. Ok. 4-1-G, ouais. Parce qu'il y a ici, mais il n'y a pas accès. La salle des opérateurs qui est derrière. Merde, la porte s'ouvre. Je crois que c'est eux qui doivent commander les canons, parce que il me semble que la dernière fois qu'on avait dégommé les drisses. Ok.
Donc là, j'ai trouvé l'ascenseur pour aller au pont. J'aurais bien aller voir le pont où il y a tous les vaisseaux là. Ah là, ça va être une tourelle de combat, ça. Je descends que c'est derrière Vertier. Ici, l'escalier là. Un poste de tourelle là. Oh, le pont il est magnifique. C'est ici. Je tire. Allez, Zis. Ah, voilà, c'est là. J'ai l'escalier, c'est tout en bas. Et après, si tu veux voir un bug, comme nous on voit le vaisseau généralement, c'est. Attends, c'est qui est devant là? Hop, on devient c'est qui? Razor, viens voir. Ouais. Tu vois mon nom là? Colle-toi au mur là, tout doucement là. Tu te colles au mur. Ouais, tu vois toute la structure. Ouais. Moi je vous vois là d'en haut, d'en bas. Je suis en bas. À travers les carreaux. Pour voir le. Ça va être la salle de sport pour s'entraîner au. Et là, c'est la roue pour les hamsters, pour avoir du jus dans le vaisseau. C'est ça. Alors moi, ce que je veux voir, c'est ça en bas, là. Ouais, mais il faut que tu descendes l'escalier, là. Mais ouais, limite avec ce vaisseau, on peut avoir pas mal de vaisseaux dedans. Avec la 10, on peut pas le démarrer, dommage. Ouais, j'ai essayé tout à l'heure. J'ai descendu direct, j'ai fait, allez, je décolle avec le. Je vais foutre le bordel dans la truc, mais non, j'ai pas pu. Non, ça va pas marcher. D'accord, c'est un gros vaisseau, Gladius. Donc, tu imagines si tu mets des bucaneurs, comment tu peux en mettre dedans? Bah, là aussi, hein, t'as aussi une. Ah, tu vois, le pont, je pensais qu'il était plus grand. Là, ils avaient dit 3 vaisseaux. 3 chasseurs. D'accord. Mais il y a un manchard. Après, Berthier, tu pars d'un côté, tu cours jusqu'à l'autre côté et tu comptes. C'est long. Non mais je sais pas pourquoi. Il y a plusieurs des rameaux en fait. Ah mais je pense que tu mets plus que ça parce que regarde là c'est des grands vaisseaux, c'est des Gladius. Wow. Mais si tu mets des Buccaneurs ou même des Fury, tu peux. Oui, bien sûr, tu peux en mettre beaucoup plus. Ouais, je suis d'accord. Ouais, même là tu peux en mettre un devant et si tu serres un peu les rangs, tu peux presque en mettre 4. Il y a un peu d'espace après les barrières bleues là. Ouais. Et là pour les champs de. Là où t'as les traits rouges, là, ça c'est le canon qui est en dessous là. Qui déborde là devant. Pour le champ de protection, ils ont un peu copié sur Star Trek Discovery. Ouais, là, vas-y, pousse-toi. Il y a un mec en haut de l'échelle, je peux plus remonter. Putain. Là, c'est pas un mec, c'est une PNJ. Tu les vois mais tu peux pas rentrer. Ils sont troisième. Okay. Passer là-bas, tout droit. Salut Razor. C'est quoi ça? Du coup on annule le. Ah voilà, c'est. Attends. Tac. Un choix. Du coup on annule la. C'est marqué cargo. Ah mais il y a un truc. D'accord. Avec un ascenseur. Ah, il y a un ascenseur. Je vais pas tomber. Attends, là. Est-ce que je meurs si je tombe? Ah oui, ça arrive. Ça arrive d'en bas, donc c'est là que le matériel et la bouffe doit arriver. Ah ça c'est... ouais, ça doit être le cargo. Là-bas, regarde, t'as l'ascenseur de fret qui est là. Donc là, c'est tout ce qui est le dortoir de l'équipage. D'accord. Elle est classe. Et dans le fond, par là-bas, il faudra que tu allumes ta lumière. Tout au fond. Là, tu as un accès uniquement pour les pilotes. C'est la chambre des deux pilotes. D'accord. C'est joli, hein. Là, ils le disent, risque et récompense en tant que combattant de première ligne. Aïe, je peux t'enlever. Merde, je sais plus comment on allume sa lampe. En engagement là-bas et tout ça. C'est ça. Et donc là, t'as deux chambres et c'est la chambre des pilotes. Donc, ça, ils ont des avantages, les pilotes, ils ont des chambres séparées. Ouais.
avec une sorte de petit salon. C'est ça. Ouais, moi je préfère la chambre des pilotes du 600i. Ah ben là, ça reste un vaisseau, ça, c'est un vaisseau militaire. Hein. Qui c'est qui arrête pas de me pousser depuis tout à l'heure hein. Et tout au fond, à l'opposé, c'est une sorte de vestiaire. C'est pas si bizarre. Ah par contre, les couloirs, ils sont pas larges. Hein. Tu passes pas à deux. Douches. Ah ouais, ouais. Mais ah oui. Ça ressemble. Je sais pas. Attends, ouvrir. La salle des douches et les WC, il y a tout là. Control room. Je pense que ouais, le jour où on a un église sur Ador et lui il fait sa vie ici. C'est clair. Enfin, on a accès au couloir. Ah là, il y a de l'autre côté d'où on est arrivé. Là, c'est comme la tour de pilotage. La tour de contrôle, pardon. Ouais, voilà, je vous ai perdu. Je sais plus où vous êtes. Attends, je vois. La salle de contrôle, voilà. C'est là qui gère tous les vaisseaux de convoi. Bonjour madame. Enchanté. Moi j'ai Berthier. Bon, bah voilà, on aura vu l'Idriss, on l'aura visité, premier jour en plus, impeccable. Ah bah j'ai trouvé le bouton pour l'ascenseur, cool. Le bon charge ? C'est qui marche, ouais. Alors ça c'est pour l'appeler. Et pour repartir, je sais pas. Pour aller en haut, y'a pas un bouton. Ah si, t'as trouvé ? Oui. C'était où ? Là. Là, sur le côté. Ouais. Et hop là. Voilà. Je t'en prie. Hein. C'était dangereux hein, de laisser le pont comme ça ouvert, hein, les gars. Hein. Je vais pas vous dire, mais. Ouais, ben bah, je sais pas, il devrait y avoir une petite barrière qui se referme, tu vois, parce que là, ça doit faire des morts. Là. Tu m'étonnes. Tu vois, d'ailleurs, c'est, on comprend mieux la morgue. Pourquoi il y a une morgue ? Bah voilà, ça y est. C'est clair. Bon, on a fait le tour là. Ouais, c'est bon. On fait comme on a toujours fait. Hein. Ah, mais il y a des couchettes là. Il y a des couchettes. Ah, là, j'ai trouvé les douches. Tout à l'heure, c'était bien les toilettes. Voilà les amis, visite de l'Idriss, donc nous sommes tombés hier soir dessus, on a vu un feu d'artifice qui s'est déclenché sur la station de Séraphine, et donc on a compris qu'il y avait l'Idriss qui arrivait, et il a accosté, donc on en a profité, on est tombé dessus par hasard, et nous sommes super contents, on a pu le visiter, et on vous en fait profiter. Voilà les amis. Sur ce, rendez-vous à l'Invictus demain et je vous dis bonne soirée, bonne nuit, ciao ciao!